Chers amis, dans le Seigneur, nous saluons dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous retrouver nous asseoir sur la plateforme ça, pour nous capables, n'est-ce pas, manger la parole de Dieu. Rappelons, n'est-ce pas, nous gagnons près de 2 semaines depuis que nous avons épuisé le sujet ça. C'est les signes de la fin des temps. Donc, nous disons bon Dieu merci de ce que la pauvre intelligence nous davantage pour nous capables de comprendre dans qui temps que nous y est et qui ça nous doit faire. N'est-ce pas, pour nous capables de make sure que nous avons volonté, mon Dieu. Donc, bien-aimés, nous disons bienvenue à Soya et nous souhaitons que déjà vous branchez et vous permettre que la parole de Dieu, n'est-ce pas, rentre en dans maison et ou même qui dans voiture ou même, n'est-ce pas, qui dans le salon la caillou. Nous disons que bon Dieu bénisse. Nous saluons l'Assemblée du Dieu pourvoyeur, nous saluons nos amis YouTubeurs ainsi que bien-aimés qui branchent sur Facebook. Et nous disons nous content pour nous avec vous soir et nous sommes certains, n'est-ce pas, ou déjà préparé et nous sommes pour nous capables ensemble manger la parole de Dieu. Donc bien-aimés, nous pourrons inviter le Seigneur parce que nous connaissons Edli, nous pas capable de faire rien. Dieu fort, Dieu grand, Dieu tout puissant, dans le nom de Jésus, nous venons côté pour nous dire merci. Merci pour grâce, merci pour fidélité, merci de ce que vous pas changé, ça bouche dit mais on accomplit. Mais à ce qu'on encore nous retourner, Seigneur du Tout-Puissant, pour nous capables ensemble avec peuple et pour nous manger la parole de Dieu. Les signes de la fin des temps, nous ne pouvons pas comprendre si nous pas illuminé que nous ne pouvons pas comprendre si c'est pas où encore qui ouvre l'intelligence, nous, Seigneur. Nous d'accord pour nous apprendre la parole. Permettre que nous comprenions, permettre que nous assimiler et permettre que Dieu Tout-Puissant le nous va en face danger, en face problème, pour nous voir, pour nous comprendre. Et Saint-Esprit, t'en prie, fais-nous du Tout-Puissant marcher dans la volonté où nous compter sur le Seigneur à soi. Bénis chaque monde qui branche, même moi, je ne suis pas capable de faire de pas moi-même, mais je compte uniquement sur grâce. Glorifie ce nom. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, bien-aimés, nous, avant même que nous rentrions, et pour nous continuer avec le sujet, ça, les signes de la fin des temps, nous avons invité. Et la sœur Mérissa pour lui interpréter un chant pour la gloire de Jésus. Bonne audition. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you. Because of who you are, because of who you are, I give you glory. Because of who you are, because of who you are, I give you glory.
Jehovah Jireh. En effet, servant dans ce chant, il dit, Lord, I worship you because of who you are. Le Seigneur, n'est-ce pas, il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Fils unique de Dieu. Rappelez-moi toujours l'expression Fils unique. Non, ça veut dire que c'est bon Dieu même. Donc, nous pas adorer n'importe qui, n'a pas adoré le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah, n'est-ce pas, Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur. Nous, on dit bon Dieu merci de ce que nous retrouvons encore à Soya. Et sur plateforme ça pour nous capables, n'est-ce pas, manger la parole de Dieu. Rappelez-nous, nous avons étudié les signes de la fin des temps. Nous allons faire lecture nous dans Matthieu chapitre 24, du verset 1er jusqu'au verset 14. M'invite à l'ouvrir Bibou, enfin, pour nous capables, n'est-ce pas, ensemble garder parole ça. Les paroles de Jésus. Ce sont des paroles prophétiques. Il dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent.
mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, parole ça, c'est parole Jésus-Christ, t'es prononcé lorsqu'il était sur la montagne des Oliviers. Et messieurs, disciples, t'as fait le remarquer construction. T'as planté grand, t'as planté magnifique. Donc, messieurs, n'est-ce pas, ils étaient fiers tout. Et Jésus t'a reprendu, Jésus t'a répondu, n'est-ce pas, là, il t'a demandé qui signe avec moi, qui j'en a fait qu'on est quoi, vie retourner, signe de la fin du monde. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, t'a décrit, t'a prophétisé, baraka passé avant que le retourne. Donc, bien aimé, nous, signe que nous avons commencé, regardez, il t'a parlé, t'a appelé, abgain guerre, bruit de guerre, etc., etc. Donc, nous avons commencé à montrer, n'est-ce pas, qui ça. Guerre qui fête et pays qui puissant et bien aimé. Nous t'as parlé ça que les traités de désarmement jeudi dernier. Donc les nations, n'est-ce pas, ouais, qui danger imminent qui gagne et surtout de grands scientifiques déclaration messieurs ça vous fait n'ego peur et gagne bagay n'ego avancé qui montre que n'ego fin créer bagay encore il créer monstre il pas même qu'à faire rien pour délivrer tête de monstre. Rappelons qui ça, Albert Einstein, ce grand scientifique, savant, monsieur son et juif, il sortit ici en Allemagne que il était prend naissance. Mais ça, monsieur, c'est monsieur qui a inventé la théorie de sacré oublier nos théories, bien aimé, mais monsieur a inventé la théorie ça, de la relativité, pardon, la théorie de la relativité, eh bien, mais qui ça, monsieur, t'a dit. Monsieur a dit, tant qu'il y a des hommes sur la terre, il y aura des guerres. Notre monde est menacé par une crise dont l'ampleur semble échapper à ceux qui ont le pouvoir de prendre de grandes décisions pour le bien ou pour le mal. Il dit, la puissance déchaînée de l'atome a tout changé, sauf nos modes de pensée, et nous glissons ainsi vers une catastrophe sans précédent. Monsieur a dit, une nouvelle façon de penser est essentielle si l'humanité doit survivre. Détourner cette menace est devenu le problème le plus urgent de notre temps. Donc, monsieur, il y a peur, même ça a été inventé, au bien-aimé. Donc, c'est ainsi que Négio dit, bon, il faut que, n'est-ce pas, nous mettons nous ensemble, surtout nation qui puissant, puis au signer des traités de désarmement. Donc, c'est ainsi que, semaine dernière, nous avons commencé à énumérer pour vous des traités de désarmement, comprendre, qui étaient signés, et nous avons même relaté ces pays, ces grands pays, ces pays signataires. N'a continué avec pays ça yo, n'est-ce pas, qui signe un traité ça. Nous te gagne sacré les, n'est-ce pas, le 8 décembre 1987, son traité sur l'élimination des missiles balistiques et de croisières de moyenne et de coups de portée. Donc les de moyenne et de coups de portée, yo kalage missile là, yo téléguidé missile là jusqu'à 500 et même à 5500 km. Ça veut dire que pays ça tellement yo avancé dans fait armes. Donc de la caillou étant, yo ka un missile al tombe exactement côté ou vle, le tombe dans pays côté ou vle. Et traité ça, c'est deux superpuissances qui t'ont signé traité de désarmement ça. C'est les États-Unis d'Amérique et l'Union soviétique, l'URSS. Le 6 août 1985, t'es gen le traité de Rarotonga sur la région dénucléarisée du Pacifique Sud. Donc son traité signé entre certains pays dans la zone Pacifique là. On prend pour yo pas, n'est-ce pas, munio de armes nucléaires. Donc, pays ça yo, où te retrouvé l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Russie, la Chine, la France, l'Argentine, le Chili, les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Inde, n'est-ce pas, pays ça yo. Ok. En 19 novembre 1990, gon l'autre traité que t'es signé,
n'est-ce pas? Il était le traité ça FCE sur les forces conventionnelles en Europe. Donc c'est traité ça force conventionnelle en Europe. Donc il était signé, n'est-ce pas, le 19 novembre 1990. Il y a 22 pays de l'OTAN et l'ex-pact de Varsovie. Donc depuis 1990, il y a 8 autres pays, bien aimé, 8 autres pays qui étaient adhérés à traité ça. Ils étaient d'accord, ils étaient mettés non là dans tout. Donc date que traité ça était entré en vigueur, c'était le 9 novembre 1992. Ensuite, c'est quand l'autre traité qui était signé, bien aimé. Traité a été signé entre les États-Unis d'Amérique et, n'est-ce pas, l'Union soviétique. Il était le traité ça, traité START One sur la réduction des armes stratégiques offensives, missiles balistiques et intercontinentaux. Messieurs Saoud, bien aimé, non seulement il y a des missiles balistiques, il y a fait missiles anti-balistiques tout, intercontinentaux. Car, n'est-ce pas, y a, par exemple, un pays tel que la Russie. La Russie, n'est-ce pas, il retrouve non seulement en Europe, mais en Asie tout. Donc, un pays tel que la Russie, il y a, n'est-ce pas, on peut téléguider, on prend un missile, missile en sortie, n'est-ce pas, sortie en Asie pour le rentrer jusqu'en Amérique, dans le pays côté le vrai. Donc, ça veut dire que, monsieur Sayo, n'est-ce pas, ce n'est pas deux inventions que pas fait. Les armes, ça aussi danger. Oui. Donc, il était obligé de signer des traités. Mais, traité sacré, les START One, sur la réduction des armes et stratégiques offensives, missiles balistiques et intercontinentaux, eh bien, c'est deux superpuissances qui ont signé le traité ça. Le 31 juillet 1991, c'est les États-Unis d'Amérique et, n'est-ce pas, l'URSS. Et, quand l'autre traité qui a signé, un traité de désarmement, le 3 janvier 1993. Il y aurait le traité START II sur la poursuite de la réduction et de la limitation des armes stratégiques offensives qui ramène le nombre total d'ogives à un nombre compris entre 300 et 3500. Ogivio, n'est-ce pas, c'est là dans notre tête bagage qu'on mettait microbes tout. Donc, si on l'autre traité qui était le START II, pour être capable de poursuivre, ça crée la réduction de la limitation des armes stratégiques offensives. Qu'on a réduit le nombre d'ogivio qui, n'est-ce pas, qu'on mettait dans le missile ça. Parce que le là, bon, les armes ça, bien aimé, eh bien, il n'y a pas seulement explosé, écrasé, brisé. Mais dans l'ogivio, il y a des microbes. Pas oublier, il y a des bactériologiques, des microbes, maladies, etc. Ils mettaient dans le microbe, dans le bon ça, bien aimé. Le là, quelque part, ce n'est pas seulement brisé, infrastructure, écrasé, route, écrasé, caille, écrasé. Non, ce n'est pas ça seulement. Même le monde, n'est-ce pas, il n'y a pas tué le monde. Du coup là, il va blesser moun, mais produit ça, microbe qu'il a de, a fait moun malade, a fait moun mourir. Ok, bien aimé. Quand le traité de désarmement qui a été signé, c'est le 13 janvier 1993. C'est la convention sur la guerre chimique, interdiction de la fabrication, de stockage et de l'utilisation d'armes chimiques. Donc traité ça, qui c'est pays signé, les pays signataires, n'est-ce pas? Où t'es gagné 150 États, 150 pays et n'est-ce pas, il était entré en vigueur 180 jours après la 65e ratification. Le fin ratifié traité ça. Donc, son traité, n'est-ce pas, il a signé son convention sur la guerre chimique. Parce que monsieur a découvert qui danger gagne dans ça. Parce que même le, n'est-ce pas, il y a là, missile ça, il y a là, mais au giv, dans la tête ça, il y a mis quoi là qui a tué moun sans que n'a pas frappé moun. Moun a la kalil moui. Ok, bien aimé, il y a danger. Donc, monsieur, tellement ouais, danger imminent, il est obligé de signer des traités. Et le 13 janvier 1993, il y a 150 États signataires. 150 pays qui étaient d'accord pour signer le traité ça. Parce que monsieur, ouais, mal, il a peur. Il a fait ça, mais il a peur. C'est juste pour montrer, bien aimé, sans l'Éternel qui nous protège. Si vous n'avez pas bon Dieu dans la vie, n'est-ce pas, vous avez une grande puissance, ou pas qu'à faire rien, le dégât, le mal est arrivé. Et ça fait moi-même avec vous, on place confiance nous dans Jésus. Pablo Jésus, sur la montagne des Oliviers, il dit, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Donc, gardez-vous d'être troublés. Pas de mentir dans ça. Et il y a un autre traité qui a été signé, un traité de désarmement, c'est le 24 septembre 1996. Traité ça, il y aurait le traité TICE, il écrit TICE, d'interdiction totale des essais nucléaires. Donc, monsieur dit, non, monsieur, nous y vais trop loin. Et nous avons suffisamment d'armes nucléaires pour nous détruire la planète là. Donc, messieurs, ouais, danger. Donc, ils chitent ensemble pour signer un traité ça
qui relait un traité d'interdiction totale des essais nucléaires. Et il y a 150 États, 150 pays qui étaient membres signataires, qui étaient signés traité ça. La France et le Royaume-Uni, à savoir l'Angleterre, ont été les premiers États à ratifier le traité le 6 avril 1999. Donc, pas oublier, bien aimé. Nous réaliser plus un monde qu'on est, ça qui a passé, plus aucun problème. Au CMT 12, la semaine dernière, scientifiques ont peur. Il y a qui dit nous manger la peur. Nous dormir la peur. Ils ont tellement peur. Ils ont qui danger qui gagne. Et c'est une raison qui fait qu'on est en pile fois. Ils ont fait ça créer les banques. C'est des bases souterraines. Ils ont caché là. Si toutefois, n'est-ce pas, tout grand pays a gagné de base souterraine. Si toutefois, gonfler de bombes atomiques, gonfler de bagages, ils larguent, puis ils le cachent en bas. Et bien, bombes d'embagay. Tout ça aussi radoté, ok. C'est seul mon nom en Jésus. On prend des bagages qui va priver. Bon, dis nos bagages, bien aimé. N'a pas continué encore. On a regardé les différentes formes de guerre qui existaient, les hommes inventés, bien aimé. Au mois d'août de 2003, vous avez sacré les The U.S. Strategic Command, qui a la responsabilité des forces nucléaires américaines. Ils ont convoqué une discrète réunion dans une base de Nebraska afin de préparer des plans d'acquisition d'armes nucléaires de nouvelle génération. Donc, monsieur n'est pas seulement satisfait de faire des armes, mais il y a des armes qui ont fait des armes, il y a des armes qui ont fait des armes, longtemps. Donc, il est obligé de dire non, monsieur, il faut nous. Et remanier les armes nucléaires, parce que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui avons fait armes nucléaires, il y a un pays qui est plus avancé parce que nous. Donc, nous sommes obligés, c'est comme ça, son compétition liée, bien aimé. Même là, on a aussi un traité de paix, on prend, pour que pas de guerre, toutes ces radotes, bien aimé. On prend, c'est plein de plaisanterie, trêve de plaisanterie. Ils continuent à faire des armes toujours. Donc, messieurs, ça, américains, eh bien, nous une base, n'est-ce pas, américaine qui se trouve au Nebraska, eh bien, nous avons dit, on cherche l'autre moyen. Pour nous faire des armes sans l'autre pays, pas qu'on est, ça n'a fait. Armes nucléaires de nouvelle génération. Okay? Même Jean Wayne, n'est-ce pas, chaque année, on a l'autre marque de voiture. Ou quand on a Toyota vient avec l'autre marque de voiture. Cadillac vient avec l'autre marque de voiture, avec l'autre modèle, avec l'autre design. Et bien, c'est comme ça que monsieur a perfectionné les armes, bien aimé. Donc, il y a plus de 150 spécialistes de haut niveau qui ont assisté à, n'est-ce pas, réunion ça. Ok? Parmi eux-mêmes, il y a des membres de l'administration de gouvernement qui était en place à l'époque, ça, en 2003. Et il y a des responsables des trois principaux laboratoires nucléaires américains. Ça veut dire que ce n'est pas des gens comme ça, comme ça. Ce sont des têtes, des gens qui pensent, des gens qui comptent penser, des gens, n'est-ce pas, on prend, ce n'est pas des gens qui sautent, c'est des gens, n'est-ce pas, qui, quotient intellectuel est tellement élevé, mais c'est gros causé. Eh bien, M. Sao dit bon, on a préparé nous là. Pour nous faire l'autre ZAM, ZAM qui fait neuf, ZAM qui fait paraître. On prend, parce que là, on fait comme ça, on met chou, on fait toute l'autre qu'on est. On prend, et puis on fait un petit pédanterie. You know, il a dit, bon, on prend le conseil de l'autre nation qu'on est obligé de faire le sport. Ok, c'est comme ça, bagala, bien aimé. Donc, pourtant, nous t'es, n'est-ce pas, le 26 mai 1972, les États-Unis et l'Union soviétique, ils ont signé un traité sur la limitation des armes stratégiques. Mais tout ça, bien aimé, c'est bagaille qui signé vrai sous papier, mais ils n'ont pas respecté la parole. Ça, parce que Kousta still a continué toujours. Bien aimé. C'est une autre forme de guerre. La mort d'un savant britannique en août 1962 nous a rappelé que les grandes puissances, bien aimé, y a travail d'arrache-pied, hein? Sauf, n'est-ce pas, sont certaines formes de guerre, puis ouais, n'est-ce pas, si on était capable, on prend une tête de liste d'un pays qui est plus avancé. C'est ainsi que, bien aimé, aux États-Unis, d'un seul coup, il y a 4000 chimistes. Ils ont mis au point des armes microbiennes peu coûteuses. Le plus terrible des agents est celui de botulisme. Donc, messieurs, ils ne travaillent pas seulement contents d'exploser, craser, briser. Mais qui ça a fait? Ils ont inventé des armes, bien aimées. On prend côté que dans l'ogive, ça aux armes, ça aux missiles, ça ils ont placé microbes
maladie qui saute dans le corps, une maladie qui saute dans la bête là-dedans, bien-aimé. Ou à comprendre qui danger ça gagne, bien-aimé. Donc, maintenant, puisque vous êtes réunis, puis vous connaissez qui j'ai un café, eh bien, les États-Unis d'Amérique, d'un seul coup, ils ont réuni 4000 chimistes. Hein? Et ils ont mis au point des armes, n'est-ce pas, microbiennes. Des armes qui ont des microbes là-dedans, et pas oublier, ils ont coûté au moins scob. Mais ils sont dangereux. Parce que une petite goutte de barre, ça a tué des millions de personnes, bien aimé. Donc, le plus terrible des agents, pardon, est celui de botulisme. Son microbe qui est comme ça, botulisme. Maintenant, à l'état pur, ils ont dit un gramme suffit pour anéantir 7 millions de personnes. Botulisme, bien aimé. Un microbe, oui. 7 grammes, bien aimé. Ils ont dit, n'est-ce pas, lui, tellement terrible. Il a dit, un gramme suffit pour détruire 7 millions de monde. Un gramme, tu vas tout petit, bien aimé. L'opposé, il va rien, non. Il a tué 7 millions de monde. Il a dit, l'Union soviétique, il possédait, n'est-ce pas, de nombreux laboratoires. Et, déjà, il constituait un stack qui est important de ces projectiles diaboliques, dont les ogives sont, pardon, garnies de microbes. Ce n'est pas seulement les États-Unis, pardon. Mais la Russie soviétique également. Bah, je parle bah, depuis 30, 40 ans de cela. Je n'ai pas besoin de connaître. Zam, monsieur, c'est perfectionné. Même la Russie soviétique, il y a des armes qui ont ogives. Ogives, là, sont des bagages qui mettent dans la tête missile. Là-dedans, il y a plein de microbes. Par exemple, botulisme. Et il y a lui-même, la Russie soviétique, il est expert tout dans la matière. Ça, tout. Donc, il y a un stack en pile de microbes. Il y a des dans les ogives, il y a des bombes. Il y a des bombes à côté. Donc, on comprend, n'est-ce pas, qui danger qui menace la planète Terre. Et si ce n'est pas, n'est-ce pas, le Seigneur qui a gardé sous planète là, nous vannes, bien aimé. Mais nous disons, Seigneur, merci de ce que, on prend, n'en prend rien qui part en bas contre le bon Dieu. Parce que bon Dieu n'a pas dormi. Et si bon Dieu t'a dormi, bien aimé, Terre, ça a déjà, elle t'a effondré déjà. Mais béni soit l'Éternel, notre Dieu, il est sur le trône, la première. Et le voit des hommes puissants, bien aimé. Pas oublier, pas grand-chose fait sans volonté permissive, mon Dieu. Apprendre ça, bien aimé. Gain ça que la guerre chimique. Guerre chimique, là, n'est-ce pas? Ou gain ça que les gaz neurotoxiques, phosphorés, contenant des agents VX, ils sont mille fois plus toxiques que cyanure. Cyanure, c'est un poison tête chargée, bien aimé. Eh bien, ils ont inventé gaz qui est beaucoup, mille fois plus puissant. Pas oublier, puisque nous avons parlé, n'est-ce pas, microbiologique, nous avons, n'est-ce pas, des chimistes. Ils ont servi de sacrer, n'est-ce pas, un microbe, on prend, qui a dévoré, qui a détruit des millions de gens, un gramme non seulement. On prend le défini pour vous sacrer, n'est-ce pas, botulisme. Parce que ça, son microbe, messieurs, n'est-ce pas, ils ont utilisé. On prend du métal dans les âmes, ça pour détruire le monde, bien aimé. Là, on dit botulique, botulique c'est l'adjectif là, se dit d'une bacille anaérobique qui se développe dans les conserves de viande non cuites. Maintenant, l'éodo botulisme, non masculin, du latin botulus ou boudin, on dit, n'est-ce pas, c'est un empoisonnement grave produit par le toxine de bacille botulique. Toxine ça, botulique là, étant détruite, n'est-ce pas, par la chaleur, il suffit de porter à l'ébullition les aliments douteux. Ça veut dire que, yodou, toxine ça, n'est-ce pas, bien aimé, eh bien, qui ça qui détruit ces chaleurs? Ok? Pour détruire, n'est-ce pas, c'est bouillir pour bouillir. C'est ça fait, ou après le plus souvent, Gémoun, dans certains pays, ils sont obligés même de l'eau, assez de l'eau potable, ils sont obligés de bouillir de l'eau ça, pour ne pas atteindre ça que les microbes ça, botulisme. Donc ces microbes ça scientifiques yo chimistes yo prend yo mette dans zam ça yo mette dans missile yo dans ogive yo ogive là c'est tête là on prend côté n'est-ce pas le yo lague bombe là il tombe sous tête avec l'exploser c'est la dedans microbe yo so va comprendre qui dégâts fait bien aimé en pile monde a mouri mdou 1 gramme seulement suffit pour détruire même 7 millions de gens pas oublier ça bien aimé. On t'a parlé de guerre, ça que les guerres chimiques. Gain les gaz neurotoxiques ou nerves ou bien nerfs. Donc toxines ça, poison ça, il attaque nerves mon bien-aimé.
Ça veut dire que vous avez détruit en un instant. Qu'est-ce que c'est la guerre bactériologique? On a même mobilisé tous les microbes pour la guerre. Presque tous les microbes qui existaient, monsieur scientifique, ça, chimiste, ça, ils ont pris un microbe, ça, ils ont gardé ça qui est plus violent, yo, plus terrible, yo, et puis ils ont mis dans l'ogive, dans les armes, missiles, ça, pour détruire, si il y a une guerre, pour détruire les gens. Parce que ils ont coûté moins de scopes, mais ils ont plus efficace. Parce que ils ont détruit plus de monde, bien aimé. Ok. En 1942, un homme de science américain, chargé d'étudier les problèmes de la guerre bactériologique, déclarait, mais ça, monsieur déclarait. Monsieur dit, fixez le choix sur les microbes de la fièvre jaune, de la psittacose, de la malaria foudroyante, comme particulièrement prometteur et attrayant. Mais qui ça, n'est-ce dit, oui, bien aimé, et scientifique américain, ça. Monsieur dit, nous-mêmes, nous fixons le choix, n'est-ce pas, sous microbes, ça. Microbes qui produit la fièvre jaune, non, jaunisse, là. Un microbe, n'est-ce pas, que les psittacoses, microbes, ça, ou retrouvé, n'est-ce pas, dans le perroquet, bête qui est le jacoua. C'est lui-même, n'est-ce pas, on pense qu'il produit microbes, ça. Ok, bien aimé. Et malaria. Nous, en Haïti, les gens font malaria, c'est tête charge. Ok. Maintenant, monsieur, il prend un microbe, ça, puis il met dans les âmes, ça, il a un côté pour détruire le monde, bien aimé. Maintenant, qu'est-ce que c'est que psittacide, là? Psittacide, là, bien aimé, c'est le nom pluriel. Famille d'oiseaux grimpeurs, tels que le perroquet, hein? Les perruches, ok, c'est bête ça. Maintenant, là on parle de psittacisme, c'est un nom masculin, du latin, psittacus ou perroquet. Il y a un trouble psychique consistant à raisonner sur les mots sans avoir à l'esprit les idées qu'ils représentent. C'est même Jean perroquet qu'on fait, ou par contre, un perroquet bien aimé. Perroquet a répété, ça m'a dit, mais il ne comprend pas ça l'a dit. Il y a des gens qui ont ça, des gens qui ont maladie qui ont ça. Moun nan, n'est-ce pas, li, mentalement, il pas capable. So moun nan, li kon ap répéton cette bagay, li pas contre signification, li pas contre ça le vle di. Ok? Répétition mécanique de notions qui n'ont pas été assimilées. Mais, cependant, que ça que la psittacose. Psittacose là, c'est une maladie microbienne, c'est de ça m'a parlé à ce là. Maladie microbienne des perroquets qui peut se communiquer à l'homme. Donc, monsieur, mais. Yo connaît, n'est-ce pas, microbe ça, c'est dans perroquet jaune, ça que les psittacoses ça, yo prend, yo fait tout nos âmes microbiennes. Côté au mettre dans ogive là, dans tête missile là, mettant les là gain un côté dégâts. En pile mon a mourir bien. Donc c'est comme ça, yo utiliser microbe qui produit malaria, microbe qui produit, n'est-ce pas, et bolutis non, hein, et psittacide là. Ça que les psittacoses ou jaune dans perroquet, ou jaune n'est-ce pas, dans perruche, genre de bête ça yo. Et ça fait bien aimé, l'un de ces mon bon Dieu. Bon Dieu mette bête yo, yo belle, nous ka gade yo. Mais quitte bête yo dans limite côté nous mette yo. Bon Dieu ba chien, chien gen rôle li. Chien là pour japper, chien là n'est-ce pas pour lever la cou, chien là n'est-ce pas pour si gen voleur, etc. On se barre. Chien sont bêtes qui important. Mais bon Dieu ba chien pour chien monter cabane. Bon Dieu ba chien pour mettre dans poche. Bon Dieu, pas chien, n'est-ce pas, pour dormir à péter chien dans l'estomac. Non. Dans pile maladie, l'homme gagne, c'est bête, ça, ben. Ok, très important. Et pas chien seulement, ou gagne toute l'autre bête, yo. Yo gagne limite, yo. On prend, veille ça, ben. Ok. On continue. Ou gagne sacré, n'est-ce pas, la guerre météorologique. Nous qu'on a suivi AQL. On prend, y a le temps, si le temps pluvieux, si y a bien neige, si y a fait chaud, si y a bien hurricane. Et bien, ça sont sciences qui étudient le temps, espace là, qui j'en a pied, qui j'en a demain à pied, est-ce qu'il y a bien la pluie, est-ce qu'il y a bon temps pluvieux, est-ce que, etc., etc. Donc, il y a ça, météorologie. Donc, la guerre météorologique, cette guerre permet de provoquer des catastrophes météorologiques et géologiques, comme inondations, raz-de-marées, tremblement de terre. Donc, messieurs, tellement avancés, et il y a une technologie de pointe là, puis on provoquer des tremblements de terre, puis on provoquer raz-de-marée, vagues de 20-30 mètres de haut, bien aimé, qui provoquer tsunami, très important, et de ce fait qui a provoqué de grandes inondations, bien aimé. Donc, c'est comme ça, monsieur Sayo, il y a travail. Maintenant, bon, je définis pour vous, ça crée les météorologies. C'est un nom féminin, du grec, bien aimé. Météorologia,
science des phénomènes célestes, étude des phénomènes atmosphériques et de leurs lois, notamment en vue de la prévision du temps. On dit aussi météo. Les affaires nouvelles, nous avons parti de nouvelles là, il y a bon météo. Qui j'entends à pied, qui j'en demain à pied. Est-ce que la pluvieux? Est-ce qu'elle fait neige? Est-ce qu'elle a fait frette? Est-ce qu'elle a fait chaud, etc., etc. Donc nous connaissons ça, je voulais dire. Pas bien, je parle de météorologique, je parle de sacré légalement, n'est-ce pas? On prend géologie. Ok, bien aimé. Pas oublier. Dans géologie, qui sont où est la donne? Géologie, n'est-ce pas, est un nom féminin du grec gé, qui veut dire terre, et logos, science. Science qui a pour objet la description des matériaux constituant le globe terrestre, l'étude des transformations actuelles et passées subies par la terre et l'étude des fossiles. Donc, c'est ça que les géologies. Géologie englobe toute bagage. D'abord, on prend ou étudier, n'est-ce pas, on prend matériaux qui composent la terre, par exemple, ou gain roche, ou gain terre, ou gain sacré les pierres précieuses qui sont dans la terre à étudier, ou étudier fossiles, on prend par exemple bagaille pied bois qui longtemps ou bien bête qui mourit des milliers d'années qui est en bâté là et bagaille ça qu'on produit, n'est-ce pas, pétrole, etc. Donc géologie sont sciences qui a pour but d'étudier la transformation actuelle et passée subie par la terre. Pas oublier, n'est-ce pas, terre là, on prend des bagailles qui étaient là autrefois, mais avec, n'est-ce pas, le temps, avec des années, des millénaires, ils viennent transformer. On prend, ils ont du sac de pétrole, ils ont dit pétrole là, c'est fossile, c'est ancien bête qui mourit, bagaille qui est en bas de terre, ils ont tellement là longtemps, ils ont décomposé, ils ont vu une série de produits. Ok? Ils ont étudié, n'est-ce pas, qui a une formation, où on est certains pays, qui ont un type de terrain, qui est un pays qui a un pile de wash, qui a un pays qui a un pile de ciment, qui a un pays qui a un pile, n'est-ce pas, par exemple, là, pierre précieuse, chaque pays a une spécialité. Donc, ils ont étudié le sol là, ils ont étudié toute bagaille ça, au bien-aimé. On prend. Et ça fait, il y a un mais tel type de terrain. On prend un terrain, ça n'a pas qu'à bâtir sous lui, il y a un terrain, on n'a pas qu'à construire une maison sous lui. Ok, mais pour contre ça, il faut qu'on géologie. Très important. Ok, bien aimé. Ok, donc, c'est ça. Lié. Eh bien, monsieur inventé, n'est-ce pas, ZAM ça, il y a bien aimé, on prend qui a, n'est-ce pas, affecté, on prend terre là, globe terrestre là. Par exemple là, Léo fait, Léo là, des bombes nucléaires, bien aimé, il fait le fait sous globe terrestre là. Ok, pas jamais oublier ça. Les gain tremblement de terre. On prend gain terre là qui fonne, bien aimé. Pas oublier. M'a faut qu'on nous bagaille. Là bon Dieu t'a créé la terre. Là le te met Adam et Eve. Terre là pas de conscience en terre non. Il subit des transformations. Et certains scientifiques avancent ça. Ils montrent que n'est-ce pas les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, ils étaient collés avec l'Afrique. Et sous suivre bien l'op garder documentaire. Ouais, Bible dit, n'est-ce pas, on prend au début, tout le monde habitait même côté là. Mais avec déluge là, t'es venu arriver, avec tremblement de terre, yo, c'est, on prend ce coup sismique, yo, terre, n'est-ce pas, il split chaque côté à l'autre zone. Très important, bien aimé. Et ça fait, il y a des fouilles fait en Amérique latine, il y a retrouvé, n'est-ce pas, on prend comment se fait-il, dans temps immémorial, il y a un Africain qui est là. C'est parce que t'es qu'on époque, terre là, t'es foncelle, bien aimé. Ok? Le bon Dieu fait créer la terre, c'est de l'eau habitée là, on seul parti là. Mais avec le temps, bon Dieu vient qui ça, il sépare, il fait chaque continent, il divise, il fait subdivision. Pas jamais oublier ça, bien aimé. On nous continue. Après la guerre météorologique, il y a créé la guerre écologique. Qui ça qui écologie, bien aimé? Cette guerre s'attaque à la nature. L'eau écologique, il y a pas le système écologique là. Ok. Il y a en 1964, 1 million d'hectares de forêts situées au Vietnam, au Cambodge et au Laos ont été soumises à l'action d'herbicides et de défoliants, détruisant l'équilibre écologique de ces régions et atteignant même la faune. Il y a pas de guerre écologique. D'abord, on va me dire ça, ça veut dire, ça qu'a pas l'air, on définit ça qu'il est, n'est-ce pas, écologie. Écologie est un nom féminin du grec oikos qui veut dire maison, logos, science. Partie de la biologie qui étudie les rapports des êtres vivants avec le milieu naturel. Donc en écologie, où n'est-ce pas, il étudie, n'est-ce pas, sacré les milieux naturels là, avec côté l'homme, avec les hommes, côté les hommes vivent, côté les êtres vivants vivent, côté bêtes vivent, côté monde vivent, et puis il y a étudié, n'est-ce pas, milieu naturel là.
Il étudiait qui Jean, n'est-ce pas, la nature, qui Jean bête là, il pas oublié. Bon Dieu mettait bête pour une raison. Système écologique là, bébé, même dans la mer là. Quand c'est des petits plantules tout petit microscope ou pas même carré ou même terme petit. C'est des bagages c'est aux baleines au vivre. Oui. Si on détruit, baleine y a mourir. Donc quoi pour système écologique là pas balancé. On va l'expliquer. Bon Dieu mettait on sait de bête comme scavenger. Nous pas qu'à détruire nos bien-aimés. Il y a un rôle yo parce que bête ça yo yo là justement pour les gain l'autre bête qui mourit qui gâté. On prend c'est pour manger bête ça pour nous. Parce que si bête ça aurait été comme ça, mouche pas le poser sous yo, mouche ka vinn manger ou, mouche ka détruire tout. Ou ka on prend ou ka prend microbe. Donc bon Dieu mettait pour ça. Il vient dans la mer, gain scavenger. Gonse de poisson bon Dieu mettait là pour manger l'autre bête qui mourit dans la mer yo. Donc nous un système écologique là important. Donc m'expliquer, n'est-ce pas, écologie ouais, oikos qui veut dire maison et logos qui veut dire science, partie de la biologie qui étudie les rapports des êtres vivants avec le milieu naturel. Ça sont sciences liées qui étudient qui gère toute sa cap vie sur terre là, bête yo, moun et environnement yo, par exemple pied bois yo, la flore, even la faune, etc. Donc très important, c'est ça, de ça l'étudier. OK. Par exemple là, yo là pour défendre milieu naturel. Gen moun, gen étude qui fait tout ça, gen scientifique, yo là pour protéger on sait de côté. Par exemple en Afrique, gen koto pa ka à la chasse, ou pa ka tuer bête, ou pa ka couper pied bois. On peut parce que yo protéger, on sait de espèces yo protéger yo, etc. Donc, n'est-ce pas, guerre écologique en 1964, certains pays tels que n'est-ce pas le Vietnam, le Cambodge et Laos. Eh bien, monsieur a tellement fait expérience dans la guerre parce que les herbicides, on sait de n'est-ce pas produits qui détruit pied bois yo, qui n'est-ce pas détruit toute feuille. Donc ainsi, puisque pied bois vient détruit, mais un système écologique là, il pas équilibré. Ou après n'est-ce pas gain bête cap mourir, gain bête cap courir par l'autre côté. Par exemple, si pas gain pied bois, me rappeler bien-aimé, l'homme fait rentrer en Floride en 2002. Et puis 2003, c'est comme c'est de belles perroquets. Le n'est-ce pas aller bon zone sous Fofodi on a tout près boire meat market dans zone ça bien. Et puis il vient Southgate. L'autre après-midi, et puis ouais perroquet qu'on vient déposer, on vient poser sous pied bois au bord la caillou. Bien-aimé. T'es comme cyclone qui passe. Cyclone dans racher pied bois au bien-aimé. Depuis là ça ne pas jamais ouais perroquet ça encore non. Il y a l'autre côté. Pour qui ça? Parce que pas oublier flora, prendre planture, elle fait où tu es depuis pas qu'une plante, il n'est pas prêté. Ok? Donc, système écologique, là, bien aimé, bon Dieu mettez-le pour une raison. Si pas grand pile pied bois, bien aimé, comment on va le faire respirer? Pas de oxygène. Et ces pieds bois encore pour absorber, n'est-ce pas, gaz carbonique. Yo. Donc, l'important, au pays Haïti, c'est une époque où il a racheté pied bois, il a racheté pied bois, puis il a fait charbon, puis il a vivre. Mais le pays a dénudé, le pays a déboisé. Au pays, il a sorti aux États-Unis ou bien sorti dans l'autre pays, ou apprendre à Haïti. De pour arriver dans zone go naïve yo yo montre pays a tête calé net tête li chauffe pas grand rien son nom de pays a pas ca produit parce qu'il y a manger y a déboiser très important. Donc c'est que ça que les guerres écologiques c'est l'homme encore. Par exemple au Brésil ou gen ça que l'Amazone forêt amazonienne c'est lui même qui poumon mondial là. Donc messieurs qui ça fait yo tellement connait là yo explorer yo exploiter forêt ça couper pied bois faire meuble faire ceci connait la grand pile espèce cap mouri. Donc puisque yo détruit flo là faune là dit bête yo y a détruit tout parce que gain bête c'est sous pied bois c'est sous canapé à priorité c'est grimper à grimper on prend donc sous détruit pied bois ça bête a mouri bien aimé. Donc ça que les guerres écologiques qu'est-ce qui fait l'homme encore très important l'homme encore bien aimé. Donc c'est ça que les la guerre écologique en regardant l'autre forme de guerre qui existait. Qu'est-ce que ça crée, n'est-ce pas, la guerre économique. Là, on parle de guerre économique, bien aimé, au point où ça s'habite. Ou bien la Russie, ou bien les États-Unis, l'Irak, ont déjà été frappés par ce genre de guerre. Pas oublié. Lorsque gagne la guerre, bien aimé, pas jamais oublié ça, gagne pile l'argent dépensé pour faire guerre. Pas jamais oublié ça. Donc, la Russie, les États-Unis, l'Irak, ils étaient frappés par ce genre de guerre.
Depuis 1970, la Russie était grandement frappée par sa crise de guerre économique. L'histoire rapportait que l'année 2000 a été économiquement la meilleure année de la Russie soviétique depuis 30 ans. Parce que, n'est-ce pas, on prend, n'en fait la guerre, n'en fait bagarre, ZAM, pays a ruiné. Parce que pour faire ZAM, il m'a d'empile l'argent, bien aimé. Il m'a d'empile l'argent. Pour les États-Unis d'Amérique, qui j'en guerre économique là, ruiné pays? Il n'y a pas bien à chaque fois qu'il y a guerre, bien aimé. ZAM, ce n'est pas juste qu'on a eu ZAM dans la guerre. C'est acheter pour acheter ZAM, bien aimé. Pas j'aime bien ça. Donc, le 28 juillet 1991, la guerre du Golfe aurait coûté 61,1 milliards de dollars. Guerre Golfe, là, bien aimé. En juillet 1991. 61 milliards de dollars juste pour faire la guerre, là, bien aimé. Donc, au 31 décembre 1990, avant la guerre, n'est-ce pas? Selon le Bureau général de la comptabilité, qui est le GAO, le coût général hors conflit était de 1 milliard de dollars par jour. Pas oublié, bien aimé. Even, n'est-ce pas? Tellement la guerre sont qui coûte. Yo dit, n'est-ce pas? Prix, even même, le pourquoi le goût, mais yo pas même sur le champ de bataille, non? Li coûte par jour près de 1 milliard de dollars. Li coûte américain ou par jour. Sans que vous commencez sous champ de guerre pour yo goûter pour après les âmes. Tendez bien aimé. 1 milliard de dollars par jour, dont 50% pour la seule armée américaine. Ils ont dépensé près de 1 milliard de dollars par jour, n'est-ce pas? Puis ils sont capables de soutenir, puis ils sont capables, n'est-ce pas, de permettre que tout le monde aille dans Jean Ouvril là. Et ceci, 1 milliard, ça, c'est pas dans le goût, mais sur le champ de bataille, non? Avant même, il y a sur le champ de bataille. Tellement, la guerre sont pas qui coûte. 50% dans l'argent, ça, quand elle passait, il passait seulement dans l'armée américaine, et pas de l'argent. Ils ont dit une division blindée américaine, près de 16 000 hommes, ils ont consommé chaque jour jusqu'à 14 000 litres de carburant. Pas oublier, chars de guerre, yo, ceci, cela, voitures, blindés, toutes bagages, tanks. Près de 14 000 litres de carburant, bien aimé. C'est pas pareil pendant toute guerre, non, chaque jour. Et pas de l'argent. 100 000 litres d'eau pour mon boire de l'eau. Et pas de soldats. Faut boire de l'eau, faut faire toilette, faut faire toute qualité bagage ça, il a besoin de l'eau. 80 000 rations de nourriture par jour, bien aimé. Pas de pour manger, mais même manger à vie dans boîte, dans réserve, dans bagage c'est cela, non. On va. Mais faut que manger, bien aimé. Et manger coûte quoi? Et plus de 5 000 tonnes de munitions, ZAM. Pas oublier, pas de gain ZAM, non. On va. Yo sous champ de bataille là. Gen côté n'est-ce pas? Zam ça yo pour aller sous champ de guerre, il a fait exercice. Comprendre? Il a fait exercice de tout bagage, c'est l'argent qu'a dépensé. Donc li coûté 61,1 milliard de dollars. Puis juste pour faire la guerre, n'est-ce pas? Au son Desert Storm, guerre ça, guerre États-Unis avec Irak, nous songe bagage ça bien. C'est pas de l'argent qu'a dépensé. Et ça veut dire guerre économique. Parce que les gens, la guerre, l'argent dépensé, bien aimé. Pas oublier, en Irak, destruction qui est opérée pour faire de guerre, ou soit guerre Irak à Koweït, c'est après guerre Irak à Koweït, là, n'est-ce pas, les États-Unis, ils ont fait invasion sur Irak. Ils ont estimé, n'est-ce pas, entre Irak à Koweït, pour guerre sa fête, ils ont dépenser près de 500 milliards de dollars. 200 milliards pour les destructions civiles et 300 milliards, n'est-ce pas, pour les destructions militaires. Ou rappelons, n'est-ce pas, me songez ça très bien, lorsque Saddam Hussein attaquait Koweït, c'est pas de l'argent, bien aimé. Même le pot qu'on gagne en vie humaine, mais c'est une infrastructure. Vous comprenez? Pas oublier, bien aimé. Moun qui mourit tout. Destruction Zamio, tout c'est l'argent, bien aimé. Il a rapporté après les deux guerres du Golfe, pas oublier c'est Irak qui était agresseur, Irak a attaqué Koweït, États-Unis tout profité de rentrer, bien aimé. Il a dit l'Irak a dû verser, n'est-ce pas, 200 milliards de dollars de dommages et intérêts à Iran et à Koweït. Pas oublier pour ça, Irak était puissant avec Saddam Hussein. Irak c'est l'équipe ancien Babylone, bien aimé. Il a été attaqué non seulement l'Iran,
et ont attaqué Koweït. Maintenant, ils ont demandé, n'est-ce pas, Saddam Hussein, pour dédommager pays ça. Et pour ça, ils ont grand pile pétrole, ils ont grand pile l'argent. Eh bien, monsieur était obligé de bailler 200 milliards. Saddam Hussein était obligé de bailler 200 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'Iran et à Koweït. Ouais, et pas de l'argent. Ça veut dire guerre économique là. Ou faire guerre, mais il y a l'argent qui a dépensé. Non seulement on a dépensé l'argent pour protéger les troupes pour aller, pour acheter des armes, pour n'est-ce pas, ration alimentaire, pour manger, pour boire de l'eau, hein, pour faire toute bagaille. C'est en pile l'argent, bien aimé. Logistique, etc. En pile comme qu'a dépensé. Hein? Donc, even, n'est-ce pas, même la guerre a fini, mais on a demandé l'Irak pour le dédommager pays, ça, tel que l'Iran, Koweït, plus. Près de 200 milliards de dollars. Et pas de l'argent, bien aimé. C'est pas pile notre, c'est en pile comme, oui. OK. Les dettes de l'Irak vis-à-vis de ses fournisseurs étrangers s'élèvent à 50 milliards de dollars. Pas oublié. OK, Irak, comptez les 20 ans. Il va faire ça. S'acheter pour l'acheter. Puisque le gain pétrole. OK. Ma vendre au pétrole. Il gagne l'argent. Pourtant, je ne vais pas acheter ça. Maintenant, ils ont estimé, n'est-ce pas, dette. Parce que ils ont doué. Parce qu'ils ont acheté, il faut payer. Ils estiment dette Irak envers pays qui a fourni les armes à 50 milliards de dollars. Donc au total, les deux guerres du Golfe ont coûté à l'Irak, oui, 750 milliards de dollars. Bien aimé, m'badou 750 millions de gouttes, non? Dollars américains. Pas oublié, bien aimé. Deux guerres, oui, li coûté l'Irak, ça n'est pas de l'argent. Donc voilà l'histoire de la guerre économique. Donc quoi comprendre? Even les guerres économiques là, c'est pas seulement monter sur le champ de bataille goumak pays seulement non, mais faut dépenser pour, n'est-ce pas, on prend un gros bateau de guerre ça, un navire de guerre ça, dépenser carburant pour mettre dans avion yo, pour mettre dans tank yo, hein, dépenser l'argent pour une boîte de l'eau, pour manger, etc., etc. Even après destruction, bien aimé, faut rebâtir, c'est pas de l'argent, bien aimé. Donc c'est là, n'a prêté, n'est-ce pas? N'a continué, et jeudi soir, bien aimé, à série ça. Nous souhaitons comprendre, et ça fait nous aller, n'est-ce pas? Nous parler rapide, nous aller doucement, pour nous faire comprendre ça que les différents types de guerre, bien aimé. Donc, Jésus-Christ a dit, ap gen guerre, ap gen bruit de guerre, ap gen famine, ap gen phénomène étrange. Nous pour aller petit à petit, nous développer tout point ça pour qu'à comprendre, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au temps de la fin. Tant que, n'est-ce pas? Il faut que prophétie accomplie et Jésus-Christ, n'est-ce pas, avant son retour, et faut qu'Antichrist fait apparition sur scène. Donc, nous avons pour étudier toute bagarre ça. Nous souhaitons que, n'est-ce pas, bon Dieu t'aide ouvrir les yeux, ou t'aide comprendre ça que t'as dit. Nous disons que bon Dieu bénit, que bon Dieu fortifie l'homme. Seigneur, merci. Merci pour grâce, merci pour compassion, merci pour fidélité, merci pour miséricorde, merci de ce que vous fidèle ou pas changé. Sa bouche ou dit, mais on accomplit. Nous, bon gloire. Nous disons merci pour le moment que nous avons passé ensemble. Seigneur, tant que nous pouvons le déplacer, nous devons bénir chaque monde qui est branché à soi. Manifester gloire dans la vie. Bénis-nous tout abondamment. Au nom de Christ Jésus, nous prions. Amen. Donc, chers frères et sœurs, nous restons là à soi. Nous mettons fin à l'émission. Et nous souhaitons que, n'est-ce pas, jeudi prochain, jeudi soir, nous allons retrouver encore sur la plateforme ça pour nous continuer avec série ça, les signes de la fin des temps. Donc, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde tous ses vrais biens. Je vous aime tous dans le Seigneur. À bientôt. Au revoir.